À Los Angeles pour la visite de Black Panther, parce que au-delà de la prouesse artistique, je pense que c'est vraiment la voix du Sénégal qui devient internationale, le poulard, la voix qui est chère à Baba Mal. Voilà, donc un grand bravo. Alors Baba Mal, je vous souhaite la bienvenue, ici sont présents beaucoup de membres de notre association Agir aux Mureaux, qui est une association avec énormément de jeunes. C'est un mouvement citoyen qui œuvre pour monter des projets sur la ville des Mureaux, et en particulier des projets d'insertion et de mobilisation citoyenne. Voilà, alors pourquoi on est amis depuis si longtemps? Parce que je pense qu'avec Baba Mal, nous partageons des valeurs universelle, de paix, d'humanité, de respect de l'homme, mais aussi de développement. Voilà. Et c'est vrai que depuis très longtemps, on a un gros projet, un rêve avec Baba Mal, c'est faire un festival de la Seine, en même temps que le festival qui est mené par Baba Mal au Sénégal, qui s'appelle le Festival du Fleuve, du Blues du Fleuve. Voilà. Qui est un festival qui, au-delà des artistes, mène des actions aussi, des actions de prévention, de la santé, des conférences, des débats, des échanges. Et vraiment, ce matin, nous étions ensemble avec le maire de Mantes-la-Jolie, avec Raphaël Cogné, et on se disait qu'on serait très intéressés pour que les deux villes, les Mureaux et Mantes, montent ce festival avec Baba Mal. Voilà, alors Baba Mal va rester un petit peu avec nous, mais pas très longtemps, parce qu'il a d'autres engagements. Déjà, vraiment, merci d'être passé voir nos muriotins. Et puis, nous te souhaitons vraiment un bon séjour en France, même si je sais que ça se termine, mais je sais que tu nous reviendras bientôt. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Excuse-moi. Agnès, ça fait bientôt des années qu'on se connaît. Et... je connais bien les Mureaux, au même titre que je connais Mantes-la-Jolie. Je pense que si Mansour Seck était là, il n'allait pas me contredire. Et je pense que. Voilà. Et hier seulement, je disais à Omar qu'il y a une des chansons que je trouve dans l'album Bayo. Je pense qu'on l'a tellement chanté ici dans les Mureaux que quand je me suis mis à préparer cet album, Bayo, je me suis dit qu'il fallait que cette chanson revienne. Je chante les gens de Tchilogne et beaucoup de nos amis qui étaient là, parce que presque chaque soir on sortait les guitares, on se mettait à chanter. Donc c'est au même titre que Mantes-la-Jolie, c'est des villes qui nous ont accueillis pour la première fois quand on est arrivé en France. C'était pas facile et c'était avec un réel plaisir que nous pouvions sortir nos guitares le soir, jouer pratiquement presque toute la nuit. Et c'est une façon de maintenir cette inspiration jusqu'à ce que l'opportunité nous offre la possibilité de faire quelque chose de plus grand. Et ça s'est passé de cette façon. Mais en parlant de toi, je sais que je me permets de te tutoyer davantage parce qu'on est des amis. Tu nous as reçus chez toi. Je t'ai entendu parler, je t'ai vu au Fouta, à Podor. J'ai vu tes engagements avec tous les autres partenaires, je ne vais pas les citer tous, mais toi particulièrement, tu t'es senti vraiment une personne qui vient d'ici, mais qui pourrait dire également qu'elle fait partie de ce terroir du Fouta Toro que tu as beaucoup aimé. Tu étais relax, tranquille, toute souriante, avec toutes les... façon de l'hospitalité sénégalaise africaine du Fouta, et on a passé de très bons moments avec toute la délégation. Mon jeune frère avait sa guitare et je me suis permis de lui piquer la guitare et de jouer minuit durant ce dîner qui était organisé avec Sambou Soulé Sarr à Podor. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que vous venez de dire. Blues du Fleuve, toutes ces rencontres, c'est pour quand même qu'il y ait quand même une cohésion sociale parfaite entre les gens qui sont appelés à vivre ensemble.
ceux d'ici, ceux d'ailleurs, ma communauté qui est là, qui vient de toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest et d'autres parties de l'Afrique et du monde, avec vous qui les avez accueillis vraiment, et j'ai vu que ça leur a permis de s'épanouir. Oui. C'est pas très facile de voyager et de se sentir chez soi. C'est vrai. Je sais que ça. Quelle les aide. Je peux leur en témoigner ça. Oui. Mais au-delà de tout cela, c'est de promouvoir la culture universelle. Moi qui m'interpelle, je viens d'une partie de l'Afrique où la culture joue un grand rôle dans l'épanouissement de l'individu. Mais la culture universelle, donc, que toutes ces cultures qui se rencontrent pour créer une nouvelle dynamique, là, c'est encore davantage mon objectif et on le retrouve ici. Mais c'est aussi, passant par la culture, et accompagner tous ces jeunes. Tout à l'heure, vous m'avez dit que dans les bureaux, on a la chance d'avoir plus d'une cinquantaine de pourcentage de jeunes et qui sont très dynamiques et qui s'organisent. L'organisation doit être de rigueur. On peut y aller individuellement, mais quand tout se passe dans une cohésion, dans un ensemble, c'est encore beaucoup plus avantageux. En tout cas, ça, c'est une chance que les Miro a. Et il faut les accompagner davantage. Et moi, je serai toujours à tes côtés. Je sais que tu as des engagements, des ambitions pour cette localité. Le Dandi Lignoul, qui est la voix du peuple, le Dandi Lignoul, qui est ton ami, Baba Mal, qui est à côté de toi, s'engagera davantage à t'accompagner dans ça. Et ça, c'est pour elle. Et pour les Blues du club, comme Omar Wade, le producteur exécutif, est là, on a toujours dit que les Blues du fleuve, c'est un festival itinérant. Partout où il y a un fleuve, si on nous interpelle, on nous invite, on vient. Bon, c'est vrai que ça a été créé à Podor, mais les Blues du fleuve sont sortis de Podor pour aller une fois à Matane. Les Blues du fleuve sont sortis une fois pour aller marquer la cohésion et vraiment la convivialité entre Bogué et Demet, c'est la Mauritanie et le Sénégal. On me dira que ce n'est pas encore loin, mais si jamais on nous invite ici dans les Miros, au bord de la Seine, et bien amante la Jolie et les Miros ensemble, lui ont fait la force, nous serons prêts à venir ici avec les Blues du fleuve et avec l'orchestre. En tout cas, merci de nous recevoir et soyez assurés vraiment de mon amitié et de ma fraternité. Merci.